Round one. Big up à Crackstar, big up au Canada, big up au Montier, big up à la France. Hey, mon homme est toujours à ma droite. Donies, big up à la cabine, guest, je te vois. Merci. Voilà, on soutient les anciens avec qui on a commencé depuis toujours. Scalpel aussi, big up. Merci. Et puis on va laisser les MC se présenter. T'es à ma gauche, non? Il faut que je demande au public si est-ce que c'est du chant. Tu connais? Ouais. Est-ce que vous trouvez que c'est du genre historique? Genre historique! Merci. À ma gauche. Ouais. À la double étranger, on va le dire à tes potes. 7K, End of the Week, aka Dégradation, aka Géant Noir. Va le dire à tes potes. What? Est-ce qu'on m'entend bien? On m'entend bien? On m'entend bien? Moi, c'est Steven Spliff d'Herbe, aka Tom Cruise, aka Filt Collins. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Gaudier, aka le beau-père de ce gros-là. Oh, big up à Rebound Shop, bébé Batman, je vous vois, let's go. Quand je veux. T'es pas un poids lourd, t'es un poissard. Ton premier battle est pas sorti parce que t'as chialé. Le deuxième, le mec a choke comme jamais. Puis là, tu te pavanes, t'es un chat noir. T'es né sous une échelle ou quoi, mec? Chaque fois que t'es là, y'a un truc qui se passe. D'ailleurs, tout le monde va bien? Tout le monde pète le feu dans le public? La caméra tourne, t'es sûr? Non, parce qu'il était là pour Nekfeu l'unique. Écoute, t'as gagné contre CDO, mais dans ton battle contre CDO, ce qu'on se rappelle, c'est CDO. Contre lui, tu penses que t'étais solide, mais t'étais mou, gros. T'as débarqué au RC Espoir, avant ça, il y a eu 5 éditions, 5 drafts, des éditions régionales, t'étais où, gros? Genre, t'étais planqué chez toi en train de gratter des textes graves vénères? Genre, t'étais planqué chez toi, grave vénère, entraînement, j'ai des mal déserts. Plus sérieusement, t'habites Paname, pas vrai? T'as gagné des battles en freestyle, pas vrai? Quand Tony fait le premier C puis la première draft, c'est toi qui aurais dû te pointer. Tu l'as pas fait, ça prouve clairement que tu t'es chié dessus. Magie noire, featuring, Juji dessus, me critiquer, puisses-tu? Tu clashes pas Gaudier, tu clashes Yoshi, Yoshimitsu! Oh! Si Dio t'a comparé à plein de gens, je me serais juste arrêté à Basile Boli parce que vraiment, t'as la même tête que lui. Sans avoir la même tête que lui. Et vu que la seule Ligue des Champions qu'il a gagnée a dépendu d'un match truqué, je me dis peut-être t'es lui. Hé, hey, tu vas te faire fumer pour un bête délit. Celui d'avoir cru que tu pouvais me tuer, je reviens à tous les épisodes. Je suis peut-être Kenny. J'écris mes battles en 3 jours, je suis peut-être Freddy. Ça fait des mois que je hante tes nuits, je suis peut-être Freddy. Ça fait des mois que tu queens. T'es peut-être Freddy. Ça fait 4 pics à glace que je te mets dans la gueule. Je suis peut-être Freddy. Si j'avais grandi à Paris, j'aurais peut-être fait un boom d'entrée. Si t'avais grandi au Luxembourg, t'aurais peut-être fait boulanger. Donc t'es venu avec tout ton quartier pour gagner, mais moi je gagne sans ça. Genre tu voulais faire le RC, prends ça. Genre t'es meilleur que moi, sans ça. Genre je connais pas ta meuf, sans ça. Mon charisme ou ma carrure, qu'est-ce que tu viens faire chez
T'es mon premier adversaire avec les biceps inversés. T'es galbé comme ça. Je te verrai bien dans ma rue patraque avec un pull cracra. T'es galbé comme une pute à crack, reste à plus de 3 pas. Je te verrai bien en bas de chez moi en train de me faire. Oh poteau, pense les fréquences featuring yo yo yo. J'ai des cheeseburgers, je peux te sucer là. Wow wow wow. C'est impossible que tu puisses perdre ses fils. Tu pètes la forme comme le public des RC6. Tu devrais jeter ta casquette à la prochaine scène de l'IS. T'inspires tellement la pitié qu'on pourrait y glisser quelques pièces. Mais bon, si t'enlèves ta casquette, on risquerait de s'apercevoir que... Tu vois où je veux en venir, hein? Si, si. Ma boule à vin des volontaires. Toi, la nature, t'as fait des contours qui commencent ici. C'est moins sûr. Mais le battle contre Vincenzo, c'était moins sûr. Depuis, t'as la rondelle tellement large que je suis obligé d'adapter mes insultes. Tu vas te faire coup de couder, il y aura beaucoup de couplets. Plus ou moins cool, c'est pas un scoop, j'espère que t'as mis une couche doublée. Ton rap est de mauvaise qualité, lâche les textes, fais des prods. T'as un rap de mendiant, tes albums seront des CD-ROM. Je ne ressens pas d'euphorie. J'écouterai pas ton scud horrible. La prochaine fois, faxe-moi ton texte en avance que je te le corrige. Quant à moi, je t'opère, je te balafre. Je te mets dans la colère de ta life. Moi c'est Aladoum, tu me kiffes. Appelez-moi Aladoum l'étranger, a.k.a. le poster de ce gars-là. Hey. Yo. C'est avec ça que tu veux me battre? Il est fou. Faut vraiment qu'on parle de ton cou. Il est où? Vas-y, mec! Vas-y, mec! Fais-moi un mec! Hey! Hey, c'est un gars posé. Il a littéralement la tête sur les épaules. Hey, on dirait qu'il porte un kawaii en permanence. Il doit se tourner pour regarder sur le teco. Hey, t'avais un crew à l'époque, c'était pas mal, mais t'étais le moins bon du crew. Menzo. Si je suis pastoré, je suis pastoré à l'époque de San Lorenzo. Je viens du RCS t'essuyant toutes les insultes. Maintenant j'ai le gabarit, on me valide, hein. Toi t'es arrivé dans un truc déjà en place pour y pomper son buzz. C'est plus l'attitude d'un Qatari que d'un Parisien. Le jour où tu tombes des escaliers à la Doom, je délire, puis je fais une fête de feu. Je fume de la putain de Ace, tu fumes du bête de teu. T'as dit que tu voulais être marin. Qui tu crois mener en bateau? C'est juste que t'as une tête de nœud. Puis, d'ailleurs, c'est quoi ce délire que tu veux être marin? Y'a que moi qui vois que ça déconne. À la Doom, c'est le genre de rappeur à qui ça parle, passer 6 mois sur un bateau avec que des hommes. Donc, dis-leur maintenant que tu fais des partous entre mecs, des soirées open tub, tout est permis. La dernière fois, il y avait tout le monde, il y avait DJ Kerry et il y avait juste DJ Kerry. Tu peux leur dire ce que tu veux, tout le monde s'en bat de tes idéaux. Au pire, contre toi comme contre Vincent, je perds ce soir, puis je gagne sur la vidéo. Que tu gagnes ou que tu perds, tu vas repartir comme un loser. À la Youm, à la Doom, c'est pas après l'entraînement, mais avant l'entraînement que son entraîneur lui disait... À la douche. Je vais descendre à la douille imaginaire, comme ta carrière. T'as fait un feat avec Brasco 10 ans trop tard, t'es pas à la Doom, t'es à la bourre. Puis de toute façon, la seule manière que t'as de faire réagir les gens, c'est de prendre des voix bizarres. Et c'est pas ce que j'appelle un vrai rappeur. J'appelle ça une triple salope. Ho, 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 ferme ta gueule. Ok, tu parles de CDO, mais je témoigne qu'il te fumerait ta carrière en un freestyle. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, c'était en fait, moi je continue. Je témoigne qu'il piquerait ta carrière même avec ses trous de mémoire. Va le dire à tes potes. J'ai un aveu à faire. J'ai voulu me faire la caisse du RC, j'ai voulu rafler le tout.
C'est pas comme si Donnie faisait pas assez de flouze. J'ai dit, Paul, hey, mon Dieu, viens, on va se faire la maille, c'est tout. Je lui ai dit, fais le gars, il a commencé à se chier. T'aurais jamais dû monter à Paname, y'a pas de doute, et à la doum va pas te louper. Si t'as un fils, dans pas longtemps, il va chanter, où t'es, papa, où t'es. Franchement. J'ai participé à des concerts, des battles, les gens, ils étaient durs, ils rentraient avec des lames planquées dans les chaussures. Toi, tu préparais la Punch League dans un coin fort sympa, dans un cadre cossu. Franchement, dans tes battles, tu disais des trucs de fou, ça se voit qu'on n'a pas eu la même éducation. Respecte les gens, surveille ta langue si tu veux vivre ce truc à fond. Je te parle pas d'aimer, parle pas d'aimer. Gars des mêmes, toi t'es même pas des mêmes. Square et mec, je vais te baffer et rager haine si fort qu'elle va modifier ton ADN. Je vais te mettre une baffe. Tu t'appelleras plus Godien, mais sous debout. Ouais, sous debout, camarade. Maintenant que t'es de la famille, bois dans ma bouteille, finis tout, camarade. Je fais ça frappe à l'an, mec, ouais, que je rappe à l'ancienne. Dans pas longtemps, je crois que tu vas m'appeler papa en scred. Mais dans quel délire, Tony S t'a pas lancé. Ça doit faire 2 minutes que tu fais caca en spray. Frère, pour raconter ma vie, il faudrait un gangsta, damn. Pour raconter ta vie, il faudrait Stéphane Bern. Je sais que tu kiffes à la doux, mais calme-toi. La fiche de ce soir t'a fait faire un saut carpé, garde joie. Vaste foire, que dis-je pire, farce noire. T'es pas un adversaire, t'es juste un mec en face de moi. Time. Vous êtes là ou quoi? Tout le monde sait que tu suces tous les rappeurs. T'as pas su faire ce que tu voulais dans le rap, du coup t'as régressé, j'ai qu'à faire bouh et t'as peur. Pour que tu sois validable sur Facebook, faudrait que tu te fasses flouter la gueule, tu sais pas écrire, t'es un boulet, je vais te faire bouffer ta feuille. Tes trucs sont horribles et c'est comme ça que ce sera jusqu'à ta tombe. Faudrait que tu sois lépreux et que tu te colles de la dynamite sur les membres pour que tes morceaux ce soit de la bombe. Tu ramènes ta vie dans tes mains, je ramène un univers dans mon ISPAC. Mais viens 2 secondes, je me mets à ton niveau et je leur raconte une petite blague. Excuse-moi. Donc, c'est l'histoire d'une goutte de sueur d'Aladoum fourrée dans sa graisse de manière bien étroite. À un moment donné, son GPS lui dit « Au deuxième bourrelet, tournez à droite. » J'en ai une autre, je vous en raconte encore une. Regarde, quand il était petit, on le foutait toujours au but, tu vois, parce qu'il était gros. Alors, comme Denis, tu vois, on le foutait toujours au but, alors ils aiment pas le foot, tu vois. Ce qui fait que la phrase qu'il détestait le plus, c'est quand son pote, il venait en bas de chez lui, lui dire « Viens, on se fait un foot !» C'est tellement un loser qu'une fois, il a été près d'une montagne, il a crié « Oh !» L'écho lui a répondu « Va te faire foutre !» Écoute, vous me connaissez, je vais au défi. T'as une gueule tellement spéciale que j'ai envie de finir sur une punchline de géométrie. 360, je te prends en guise d'apéro. Tu divises le public, mais merde, impossible qu'on divise par zéro. Donc je fais le point, te mets des droites, ça va venir de tous les angles. Tu te plies en 4, mais tu fais rien de 9. Je multiplie les deux sans attendre. 4 fois 9, 36, comme le nombre de solutions que tu vas devoir trouver si mon crâne chauve, tu veux le fendre. Et pour ceux qui n'ont pas compris que les battles c'est que de l'amiante, c'est un flot précaire comme celui d'Aladoum, tu veux tes scotiers, tu te prends 2 doigts dans la fente. Tu seras rien genre Homer, Simpson, Homer, gros cassos. Ce soir je vais te battre mais plus tard tu vas respecter ça comme cette frappe de Roberto Carlos. Je fais des vannes de foot, ok, mais les gens comprennent pas que le foot c'était le métier à mon père. Les matchs les dimanches pendant 10 ans, ça a fait qu'on a mangé mes frangins et moi. Et c'est tout mon fuck up, merci. Amandine du 38 a fait 2 millions de vues par vidéo. C'est la vérité.
te cache pas derrière tes vues ou autre chose pour pallier à ton manque de créativité. Oui, je sais, les gens disent que t'es argentin, mais vu ton faux flot d'autrefois, tes propos trop vagues et ton gros taux de blocage, je dirais que t'es tchouk au Slovaque. Tes textes, ils sont pourris, casse-toi, barre-toi d'ici, va dans ta chambre et parle pas de meuf. Je serais toi, il n'y aurait pas d'engagement. Ta meuf, elle est tellement poilue, pour la buter, faudrait une balle en argent. Ta meuf, elle soulève 110. Elle a une musculature 40, garçon. Ta meuf, elle a su péter 48 tractions. Oui, 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 pas à ta meuf, parlons-en. Je serai toi, je ferai pas le fier. Tu penses avoir trouvé l'âme, sœur? Je dirais plutôt que t'as trouvé l'âme, frère. Mais le pire dans tout ça, c'est que t'arrives à être cocu. On va dire qu'avec les autres hommes, elle gonnerie plus. Si je pouvais me permettre une comparaison, je dirais que ta meuf, c'est un omnibus. Mais ça reste un laitron quand même, hein. Aucune harmonie ou d'organes centrés, c'est un concentré de chagrin. Même le néant me fait la gueule depuis que j'ai dit que ta meuf ressemblait à rien. Ta meuf? Elle a une meuf? Hors de question que je mette la tête là-dedans. Elle a pas une pomme, elle a une pastèque d'Adam. Ta meuf, c'est elle qui t'insulte. Elle te traite de connasse, la grognasse. Elle est dans le ghetto, elle marche comme as. Time. On va voir le juge. Le premier round, c'est à la Doom. Après, le deuxième round, comment Gaudier il a commencé. Et la phase, du coup, ça m'a tué. À ce moment-là, je me suis dit qu'il prendrait peut-être l'avantage. Et quand il a enchaîné la phase du coup, plus la phase du KOS, ça m'a encore plus tué. Et ensuite t'as à la Doom qui est revenu. C'était le deuxième round, c'était vraiment chaud. Je mettrais match nul. Mais à la Doom, encore revenu sur le troisième round. Donc, je dirais qu'il y a 2-1 pour à la Doom. Moi. Donc voilà, quoi, j'aime ça à la Doom. Jude, boxfulis.com, le battle à la Doom, Gaudier, très difficile à juger. T'as vraiment deux styles très différents. Je veux dire que pour moi, le Gaudier prend le premier round. Je pense qu'il a été plus percutant. À la Doom a eu du répondant, mais je pense que Gaudier prend le premier. À la Doom prend largement le deuxième pour moi. Et sur le troisième. Alors que Gaudier, enfin, je pense qu'Aladoum avait la main pour terminer le battle, et pour moi, il a pas son troisième round était un peu hésitant à Aladoum. Donc voilà, pour moi, Gaudier gagne le premier et le troisième. Donc 2-1 pour Gaudier. Voilà. C'est le DOC du groupe. C'est le DOC du groupe de balle. On est ensemble pour le RC7. C'est bien ça? 6 ou 7? 7. Ok, bah c'est le 7. Alors. Dans un premier temps, j'aimerais dire que un battle, ce n'est pas que des punchlines, ce n'est pas que des belles phases. Il y a aussi la prestance, il y a aussi le charisme. C'est limite théâtral, tu vois. Pour ceux qui nous ont déjà vus sur scène, c'est un peu ça. Tu vois. Et là, je trouve que pour le clash à la Doom contre Odier, bah, à la Doom remporte par rapport à ça. Il avait plus de charisme, plus de prestance, il avait... Même au niveau des phases, je dois avouer qu'il m'a eu, même si c'était pas énormément de. Il n'avait pas énormément d'avance sur l'autre, sur Rodier, pardon. Bah, je trouve que Aladoum a été au-dessus, hein. Un cran au-dessus. Donc je donne ma voix à Aladoum. Bah, pour moi, le premier passage, comment il s'appelle, le mec du Luxembourg, il avait assuré. 2-3 punchlines bien posées. J'ai quand même trouvé qu'à la Doom, il avait fait un truc plus constant dans la punchline et plus percutant dans le truc. Après le deuxième, il avait repris l'avantage. Je trouve qu'il a perdu plus dans le troisième passage.
En fait, je trouve que là, c'était vraiment... Il n'y avait pas beaucoup de punchline, il n'y avait pas beaucoup de trucs marrants, il n'y avait pas d'interaction avec les gens ou avec le mec qui clashait. Et c'était plus... Ça avait plus l'air d'une récitation. Alors que la Doom, à des moments, il s'est permis de faire des pauses, de gaspiller du temps pour avoir du style et avoir de l'impact dans le truc. Donc c'est pour ça que pour moi, la Doom a gagné en fait. Même si l'autre a bien rappé et qu'il rappe bien et qu'il a assuré, mais je trouve que c'est plus dans comment il a géré ses temps forts et ses temps faibles qu'il a perdu le truc. Donc c'était un très très beau battle, les deux sont super forts et rappent très bien, ça c'est indéniable. Le premier round, Godier avait clairement l'avantage, il était très drôle, la face sur Kenny était très bonne. On sentait Aladoun un petit peu plus indécis et un peu moins incisif. Il a clairement repris l'avantage par la suite, Godier faisait beaucoup de faces de foot qui m'ont pas énormément touché. Et Aladoun a commencé à prendre plus de confiance, à incarner plus son personnage, à être meilleur dans sa gestuelle, dans sa démarche. Et ça a commencé en battle et ça s'est fini en one-man show. Mais je pense que Aladoun a clairement pris l'avantage. Bravo à lui. On revient avec la décision des juges. Et le vainqueur de ce battle est Aladoun. La semaine prochaine. Putain, la semaine prochaine. On avait dit pas à la famille, c'est moi qui ai imposé ça. Tu vois. Je savais pas qu'il avait deux fils, je me suis lancé en pensant que, tu vois. Mais bon, vraiment pardon quoi.